Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais quand même me représenter pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne et qui se demandent qui je suis. Donc je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraé, principalement sur Instagram et sur Ravelry. Vous pouvez retrouver aussi sur mon site maloraedesigns.com mes patrons de tricot, mais aussi des accessoires tricot que je crée. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog numéro 23. Je ne sais plus. Je crois que c'est le 23. J'ai pas filmé la semaine dernière. Et en fait, la semaine dernière, il n'y a pas eu. Enfin, cette semaine, pour vous, c'est la semaine dernière. Pour moi, c'est cette semaine. J'ai pas filmé de vidéo. Voilà, j'ai décidé de m'alléger un peu en charge de travail. Parce qu'en fait, filmer des vidéos, ça prend du temps. Et derrière chaque vidéo, en général, je fais un article sur le blog. Et ça prend aussi beaucoup de temps, puisque quand je filme un podcast, par exemple, vous retrouvez sur le blog un article avec tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans la vidéo. Quand je fais un vlog, c'est pareil, vous retrouvez sur le blog un article qui a tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans le vlog, que ce soit les laines, les patrons, enfin voilà, tout ce qui apparaît dans la vidéo. La plupart du temps, je vous en parle dans l'article et recherchez tous les liens. Et en fait, je suis obligée de enfin, en gros, je fais mon montage et à chaque fois que j'ajoute une séquence de la vidéo pour le vlog, par exemple, je retranscris brièvement dans l'article de blog. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais je me dis que c'est aussi plus simple pour vous, parce que comme ça vous retrouvez toutes les informations. Mais cela étant dit, cette semaine, j'avais quand même pas mal d'autres choses à faire, notamment préparer la mise à jour d'accessoires tricot qui aura lieu à la rentrée. Et du coup, le fait de ne pas faire de vidéo, ça me fait gagner quand même quelques heures. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de vidéo cette semaine. Pour vous, il n'y aura pas eu de vidéo la semaine dernière. Bref. Donc, depuis la dernière fois que j'ai filmé, je ne sais plus si elles étaient terminées. Non, je ne crois pas. J'ai terminé ma seconde version des chaussettes Camassia. Donc, les Camassia Socks, c'est un patron qui est sorti l'été dernier, je crois. Ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville. Et en fait, j'essaie de vider un peu mon stock. J'ai pas mal de demi-écheveaux. Voilà. D'ailleurs, il est probable que j'imagine de nouveau un pull pour utiliser les restes des chevaux. J'avais déjà fait le pull Polygonia pour adultes et pour enfants. Et c'était un pull qui était fait qu'avec des restes. Et il est probable que j'imagine un autre pull dans le même style pour utiliser les restes, parce que j'ai quand même pas mal d'échoux, enfin de demi-échoux, et j'aimerais bien les utiliser. Bref. Donc, dans l'optique d'utiliser, encore une fois, ces restes d'échevaux, j'étais retombée sur cet écheveau, enfin ce demi-écheveau, que j'avais teint il y a quelques temps. Je ne sais pas si je l'ai mis là, mais je crois que la mini, on ne veut pas. J'ai recommencé une paire de chaussettes pour la mini. Je ne l'ai pas mis là. Donc en fait, c'est de la laine que j'avais teint, que j'avais acheté chez Laine et Tricot, et que j'avais teint avec des Greener Shades que j'avais acheté chez Lily Neige. Je l'avais teint, franchement, je crois, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'avais teint un écheveau dans ces tons-là et deux autres écheveaux dans les tons. En fait, j'avais fait tous les trois la même couleur en mettant du bleu, du noir, plusieurs tons de bleu et du noir, et dans celui-ci j'avais ajouté un peu de jaune, et ce qui fait que ça donne un peu de vert et de jaune. Et j'avais créé les chaussettes Camassia en utilisant un reste de une pelote de Fabel bleu, et ça faisait beaucoup ressortir les tons de bleu de la laine. Et là je n'avais plus de bleu, mais j'avais du noir, et comme il y a quand même pas mal d'endroits où il y a du noir, je me suis dit que ça irait plutôt bien avec. Et il faudrait que je vous remette une photo, ou au pire je vous remettrai les liens pour que vous alliez voir.
Comme quoi, juste de changer le contrastant, ça change énormément le résultat. Puisque je trouve que alors que c'est le même coloris principal, le fait d'utiliser un contrastant noir fait ressortir d'autant plus le noir qui est présent dans cette laine bariolée. Et ça donne un résultat totalement différent. Donc ces chaussettes, elles se tricotent en commençant de la pointe avec le coloris contrastant. On tricote en rond jusque, enfin, tout le pied. Après, je fais un talon en rang raccourci tout simple. Et sur la cheville, on vient faire entre quelques rangs de jersey un petit point texturé et ajouré. Alors ajouré, vous ne le verrez pas comme ça, je pense. J'ai pas rentré les fils. Il faudrait que je le fasse. On voit un peu que ça joue. En fait, c'est juste des jetés des mailles ensemble. Et un petit point texturé. Voilà. Et on termine par un rabat en dents de chat. Donc elles sont pas bloquées. Elles sont pas. Les fils sont pas rentrés. Alors, j'ai fait la même technique que j'avais fait dans les chaussettes de l'ami la dernière fois, à savoir j'ai. Là, vous voyez la différence, je pense. J'ai fait passer mon fil à chaque fois. Donc, j'ai plus qu'à couper. Par contre, non, pour le talon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur que ce soit pas très confortable au niveau du talon. Donc, il faut que je rentre le fil du talon et le fil du début. J'ai trois fils à rentrer. Ça ne va pas me tuer, mais je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc, ça, c'est les chaussettes Camassia. Donc, si jamais ça vous tente, elles sont très simples à tricoter. Franchement, pour un premier modèle de chaussettes, c'est pas mal. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le rabat en dents de chat. Si vous préférez des côtes, vous pouvez tout à fait faire des côtes. Hein. C'est pas bien compliqué. Moi, j'ai fait trois bandes dans le patron. Il y a trois bandes. Mais je sais que j'ai pas mal de testeuses qui avaient fait juste deux bandes parce qu'elles trouvaient la tige un peu trop haute. Après, voilà, c'est vraiment une question de goût. Mais le patron, il est plutôt accessible et il est disponible sur Ravelry ou sur mon site. Entre deux, j'ai tricoté une autre paire de chaussettes, toujours avec mes restes. Donc ce sont des laines que j'avais utilisées pour faire les chaussettes Paederos. Donc c'est de la laine de chez Squirrel's Yarn. Que je me rappelle, j'ai pas les étiquettes. Celui-ci c'est la joubarbe de Mélanie, je crois. Et celui-ci c'est Perido, il me semble. Donc ça c'est du mérino nylon. Et celui-ci, il y a de la stellina qu'on ne voit absolument pas. Alors elle est assez discrète, hein, même en vrai on la voit pas des masses. Oui, il y a un petit fil. Enfin, c'est pas de la stellina, je crois. Non, si, c'est de la stellina. On voit pas des masses. On voit un petit peu le fil qui brille là. Et j'avais très peu. Enfin, je n'aurais pas eu assez de. Là, je l'ai là. Il me reste que ça, donc j'aurais pas eu assez pour faire les deux talons. Donc j'ai utilisé un verre de chez Fabel. Non, un verre de chez Drops, de la Fabel, qui ressemble pas exactement, mais un peu plus foncé, il n'y a pas de stellina, mais ça va. Et donc les chaussettes Paederos, à la base, c'est des chaussettes qui sont tricotées uniquement avec ce coloris et qui ont un petit motif de feuille en jacquard sur la pointe et au niveau de la cheville qui ont de la dentelle. Et de nouveau, là, il me restait quand même pas mal de laine, puisque j'ai de quoi me faire une paire. Alors, hormis le vert où j'étais un peu juste, mais là, il me reste encore quand même pas mal. Pas de quoi faire une paire, mais peut-être faire des rayures, pourquoi pas. Donc, voilà, j'ai tricoté une paire toute simple. Donc, pour cette paire, j'ai utilisé, comme d'habitude, ma recette de chaussettes. Donc, je vous remets le lien vers le blog pour vous retrouver la recette. Elle est disponible gratuitement. Et j'ai aussi tourné plein de vidéos. Donc, je vous mettrai le petit i quelque part, là. J'avais enregistré des vidéos pour vous montrer chaque technique. Donc, pour la pointe, pour le talon et pour les côtes. Voilà, donc vous avez tout un tas de petites vidéos plus l'article pour vous aider à tricoter des chaussettes. Voilà, j'ai fait deux paires de chaussettes pour moi. Bon, j'en ai clairement pas besoin, hein, j'ai au moins une trentaine de paires de chaussettes. Mais j'avais envie. Je sais pas, oula, pardon. En ce moment, je suis dans une phase chaussette. Et en même temps, j'avais fait une petite pause puisque dernièrement j'avais tricoté pas mal de chaussettes pour la mini. Donc là, j'ai fait des chaussettes pour moi. Mais elle m'a demandé une nouvelle paire de chaussettes que j'ai tout juste commencé. Vous avez pu le voir juste avant. Donc là, j'ai presque terminé. Il me reste un rang d'augmentation. Donc là, j'utilise la Fabel de Drops en coloris, je ne sais plus, 115.
un endroit. Et on a sélectionné pas mal de petits restes, puisqu'en fait, il restait pas mal de laine, enfin pas mal, il me restait de la laine de ces chaussettes fluo. Après avoir fait trois paires, il me reste encore tout ça. Et on les a associés à d'autres petits restes. Donc, par exemple, j'avais pris ce duo de laine chez Célène. C'était un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. On avait pris ça à la fête de la laine à Malakoff. Donc je lui avais fait une paire et il reste de la laine. C'est mini fluo. Mon reste de. Qui n'est pas du tout vert de cette couleur. Mon reste de mes chaussettes. Et elle a choisi aussi deux petites pelotes de Fabel de Drops. Et l'idée, c'est de lui faire des chaussettes un peu dans le même style que celle à pois que je lui avais fait la première fois, mais avec un motif de cœur cette fois. Donc, j'ai cherché, je ne vous ferai pas voir parce que c'est sur mon téléphone, mais j'ai cherché sur Pinterest une grille de cœur, tout simplement. Et donc, je vais faire ça. Donc normalement je lui fais des chaussettes de 56 mailles, mais là le motif il est sur 10 mailles. Donc je vais lui faire sur 60 mailles comme pour moi, mais je ferai une longueur de pied un peu plus courte que ce que j'aurais dû faire normalement. Comme ça va en fait, quand on a le pied, quand on prend normalement on fait à peu près 5 cm de moins que la longueur du talon pour faire le talon. Si la chaussette elle est un peu plus large que votre pied, dans ces cas-là, faites un peu moins de longueur, puisque du coup ça va étirer comme ça et du coup ça va rétrécir un peu. Alors, faut que ce soit léger, hein, la différence entre la largeur de votre pied et la largeur de la chaussette. S'il y a 3 cm, ça le fait pas. Mais là, c'est pas 4 mailles qui vont faire une grosse grosse différence. Je lui ai déjà fait sur une autre paire et du coup ça va compenser la largeur. La largeur qui est un peu plus grande. Voilà. Donc là, j'ai juste fait le montage tout à l'heure. Faut que je fasse. Là, je suis arrivée à 56 mailles. Il faut que je lui fasse les. Faut que je fasse la dernière augmentation. Mais je voulais vous parler. Et puis on va sortir parce que on a des petits trucs à faire. Donc du coup, bah, je vais finir ça plus tard. Ouais, parce que je dois aller chercher un colis. En fait, j'ai commandé de la corde pour finir les paniers parce que j'en ai plus et que bah, la poste a trouvé drôle d'envoyer mon colis du mauvais côté de la France. Du coup, bah, il y a du retard. Donc bon, bah, c'est un peu à la bourre. Je suis un peu pas à la bourre, mais bon, j'ai perdu un peu de temps. J'ai commandé de la laine, mais je vous montrerai ça. Normalement, ça arrive demain. J'ai commandé du mohair pour aller avec ces échoués. Alors, j'en ai pris un, mais j'en ai trois. De chez Célène. Oui, encore. C'est du mérino nylon et c'est le coloris Choco and Pink. J'avais acheté ça 2020, 2019, 2020, je ne sais plus. Je les aime beaucoup, mais j'ai envie d'avoir un mohair pour aller avec. Donc les autres sont là et vous voyez juste en dessous il y a des échoués un peu plus clairs. Donc c'est du suri. Et là le coloris allait plutôt bien avec. Seulement j'en ai que deux échevaux et il m'en faudrait trois. Donc j'ai commandé de la kit silk de Drops dans deux coloris, dans un beige rosé et un. Je ne sais plus les noms, mais enfin, je vous les montrerai demain. Et je voudrais faire un pull avec ces deux combos de laine, en espérant que ça aille avec. Sur mon écran, enfin j'ai essayé sur plusieurs écrans, ça avait l'air de le faire. On verra en vrai ce que ça donne. Et puis j'ai pris deux tons en me disant qu'au pire, s'il y en a un des deux qui ne va pas avec celui-là, il ira avec d'autres échevaux, là, un peu bruns, de la Féballo, qui me permettront de faire un pull. Ou un gilet, je ne sais pas, mais voilà. Ce sera pas perdu. Donc voilà, un nouveau projet à venir bientôt. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui va arriver bientôt, je vous invite à aller voir dans les coulisses, si jamais ça vous tente. C'est l'équivalent de Patreon, mais sur mon site directement. C'est le même principe, mais c'est directement sur mon site. Ça évite de passer par des intermédiaires qui prennent des commissions et tout ça.
Le fait de passer directement par mon site, en fait, il y a juste les frais de PayPal. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est les seuls frais. D'ailleurs, en parlant de nouveaux projets, j'ai fait un échantillon, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. J'ai commencé. Je suis pas sûre en fait du numéro d'aiguille. Vous voyez, parce que c'est un peu ajouré quand même. J'ai fait un échantillon en 3,5 et je trouve quand même que c'est vachement ajouré. Donc je vais peut-être refaire un échantillon en 3. C'est probable. J'utilise de la laine Vilaine que j'avais achetée il y a très longtemps. C'était lors du dernier festival du Fil de la Manche, donc 2019. Alors attendez, c'est de la laine à chaussettes 425 mètres pour 100 grammes, donc c'est mérino nylon, et le coloris c'est Sous les pavés à la plage. Alors c'est un très très joli coloris que je n'arrive pas à rendre en vrai, parce qu'à chaque fois il ressort gris, alors que, oui, il est gris, mais il est gris bleu quoi, très nuancé. J'aime beaucoup le résultat. Alors par contre, cette laine, j'ai eu des petits. Je regarde là ce que j'ai encore des marques sur mon. Quand j'ai bobiné mon écheveau, il devait rester des pigments. Et en fait, j'avais plein de traînées bleues sur mon bureau, qui est blanc. Donc j'étais ravie. Et je vois qu'il en restait, tout n'est pas encore parti. Donc j'ai bobiné qu'un écheveau. J'appréhende un peu de bobiner les autres. Et le peu que j'ai tricoté sur l'échantillon, j'ai les doigts bleus et le bord des ongles bleus. Donc c'est. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, encore avec de la vilaine notamment. C'était une base cachemire. Oh, je sais plus. Mérino cachemire, soie, quelque chose comme ça. Cachemire. Oh, je sais plus. Et j'avais les doigts, mais bleu, bleu, noir, quoi. Et ça m'était arrivé aussi. Bah, c'était de la vilaine. Et aussi avec de la laine de chez Maison Septembre, qui était rouge mais qui devait avoir du bleu dans la façon de teindre, et j'avais les doigts noirs aussi quoi. C'est un peu désagréable j'avoue, quand à chaque fois que on tricote on est obligé d'aller se laver les mains parce qu'on a les doigts un peu crado quoi. Puis ça part pas forcément, donc bon. Et puis là mon bureau, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, avoir les doigts, bon, ça peut arriver qu'il y ait un excès de teinture et tout. Mais alors là, franchement, il devait y avoir encore des pigments dans la laine, puisqu'il y en avait plein mon bureau. Ça me l'a jamais fait par contre. C'était la première fois. Donc là encore, donc ça je l'ai mis dans un panier que j'avais fait il y a très longtemps. Panier que vous pouvez retrouver dans ce style-là en boutique. Mais voilà, donc là c'est un nouveau projet qui arrivera sur mes aiguilles dès que j'aurai validé l'échantillon. Mais je ne vous en dis pas plus, si vous voulez, comme je vous disais, découvrir tout ça, c'est dans les coulisses. Voilà. Je suis en train de chercher, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Ce matin, j'ai fini, ouais, ce matin, j'ai fini de préparer les petits anneaux. J'ai mis directement sur carte les lots, comme ça me fait gagner un peu de temps. Au moment de l'expédition, les lots sont déjà sur les cartes. Après, j'ai juste à faire comment les mettre sur les cartes quand vous commandez les marqueurs à l'unité. Mais ceux qui sont en lot, alors quand c'est des petits lots comme ça, je mets sur les cartes. Quand c'est des plus gros lots, je fais soit sur des petites broches, des petits anneaux ou dans des boîtes. Ça dépend. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Je vais aller chercher mon colis de cordes. Et peut-être commencer à coudre cet après-midi, je ne sais pas. Ou lire peut-être. J'ai commencé, 10 ans après tout le monde, Alabama 1963. J'ai lu qu'une soixantaine de pages et je dois dire que pour le moment j'accroche bien. Donc j'ai bien envie de lire la suite. Je vais voir. Bon bah écoutez, je vous laisse et on se dit à plus tard.
Il est presque midi, là je vais aller préparer le repas. Je suis bien contente parce que ce matin j'ai bien avancé. J'ai commencé par déjà préparer vos petites commandes, je vous ai mis un petit aperçu. En général, je commence par ça le matin. J'allume mon PC, je commence par préparer vos commandes. Et après, je réponds aux mails s'il y en a. Je gère les tests s'il y a besoin. Et ensuite, j'attaque la journée vraiment de travail. Et ce matin, ça a été avec de la gradation, parce que j'avais un modèle à grader, un modèle tout noir. Et donc voilà, ça faisait partie des modèles qui attendaient depuis mon retour de vacances. J'en avais 4 à grader en rentrant début juillet. Là, nous sommes début août, enfin début août, on est le 11. Et j'en ai gradé 4. Et donc là, je l'ai gradé, il faut juste que je l'écrive. Et ce sera prêt pour le test que je lancerai au mois de septembre. Là, j'ai lancé des tests pour 2 modèles d'hiver la semaine dernière. Et c'est un peu compliqué de trouver des testeurs, testeuses pendant les vacances. Donc, je vais attendre la rentrée pour grader les... Enfin, pour grader, pour lancer les prochains tests qui, de toute façon, ne sortiront pas avant le tout début d'année. Donc il n'y a pas d'urgence, je ne veux pas non plus faire tester les modèles trop à l'avance parce qu'après, au moment de la sortie, on oublie quoi. Donc je lancerai les tests probablement fin septembre. Voilà, donc ça c'est cool, je suis bien contente d'avoir fait ça. Une bonne chose de faite. J'ai pas pris, je vous le montrerai un peu plus tard, j'ai avancé la chaussette de la mini, j'ai fait les 2 premiers motifs de cœur. Et ça rend plutôt pas mal, donc je suis contente, je ne lui ai pas encore fait voir, je pense qu'elle va être contente aussi. Voilà, et le programme de cet après-midi, ça va être de la couture, puisque je vais continuer à préparer les paniers pour la prochaine mise à jour. Donc voilà, ça va être une bonne partie de mon après-midi, la couture de panier. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller préparer le repas. Et puis on se dit à plus tard.
bonjour, bonjour du samedi. Je suis pas venue filmer, enfin pas venue vous parler du moins hier parce que en fait j'ai fait des choses mais qui n'étaient pas forcément intéressantes pour vous à vous montrer. J'ai notamment écrit un patron. J'ai un peu de mal aujourd'hui, j'ai mal à la tête, j'ai pas très bien dormi, donc du coup je suis un peu ramollo ce matin. Enfin, ce matin, non. Nous ne sommes plus le matin encore, allez, nous sommes dans le début d'après-midi. Donc ouais, hier matin j'ai écrit un patron. Je suis désolée si vous entendez des éléphants marcher au-dessus de ma tête, j'ai des enfants. Et l'après-midi, j'ai cousu. Je regarde là parce que j'ai mis mes paniers là. J'ai cousu pas mal de paniers. Enfin, surtout des bases. Il faut que je... Bah, va falloir que je découpe les tissus, que j'aurai tout fini. Mais pour l'instant, je vais finir de coudre toutes les bases avant de passer à l'assemblage, enfin au découpage, à l'assemblage des parties tissus. Je fais toujours comme ça, c'est plus simple, je trouve. Comme ça, après, j'enchaîne. Voilà, donc du coup, j'ai fait pas mal de choses, mais pas forcément très montrables et pas très intéressantes. Ensuite, au niveau de tricot, j'ai bien avancé sur la chaussette, qui est le seul projet que je peux vous montrer. Parce que l'autre que j'ai monté je vous le montre pas et l'échantillon que je vous ai montré j'ai pas encore alors je l'ai retricoté avec des aiguilles plus petites et je suis passée en 3, il est là mais attendez je vais regarder. J'ai retricoté avec des aiguilles 3 et je trouve que c'est mieux. 3,5, 3. Donc je pense que ça va être mieux. Faut que je bloque ça et que je fasse des calculs pour la construction et tout. Donc le seul projet que je peux vous montrer, ce sont les chaussettes de la Mini. Donc on est parti sur une base en Fabel avec des restes de Mini, donc des Mini fluo, mais pas seulement. J'ai aussi intégré celui-ci qui est de la Fabel, qui est un bleu vert. Et celui-ci qui est un reste de chez Célène, c'est la première paire que je lui avais tricotée, c'était un kit de mini. On a décidé de... Oula, mais c'est marrant, vous le voyez beaucoup plus rose fluo qu'il n'est en vrai. Alors c'est pas le même rose, celui-ci c'est celui qui allait avec ce mini. Mais il m'en reste, je pense que je vais faire l'autre talon pareil. On a hésité à faire le talon différent pour les deux chaussettes, je sais pas. Donc là, je suis arrivée à la hauteur pour la tige. Elle n'aime pas les tiges trop hautes. Donc, on est arrivé à la bonne hauteur. J'ai fait le tout premier rang de côtes. Mais ça ne se voit pas. Et je vais faire tranquillement mes côtes avant de rabattre. Et pour la seconde chaussette, elle veut que je fasse l'inverse. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai commencé par le bleu, vert, rose, violet, machin. Et là, en fait, elle veut que je commence par le violet, rose, bleu. Elle veut que j'aille dans l'autre sens. Donc, je vais faire ce qu'elle veut. Hein. Après tout, c'est ses chaussettes. Donc, voilà. Ça a bien avancé. J'avoue que là, tricoter du jacquard avec la chaleur actuelle, j'espère que ça va chez vous, que vous n'avez pas trop chaud. Là aujourd'hui, normalement, c'est la dernière journée de chaleur pour la Normandie. À partir de demain, ça devrait redescendre un peu. Mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des incendies qui se sont déclarés vers chez nous. Ce qui fait que, déjà, la journée, on vit les fenêtres fermées. Et quand on peut aérer le soir, ça sent la fumée. Donc, on n'a pas vraiment envie d'aérer. Donc, bon, la chaleur s'accumule un peu dans la maison, mais c'est un peu compliqué. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je sais pas si demain je filmerai parce que on est invité et que je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer et tout. Donc j'arrêterai peut-être ce vlog en début de semaine, peut-être lundi. Voilà, peut-être le temps d'après d'écrire l'article avec les notes et de faire la mise en ligne. Finir le montage. J'ai commencé le montage, mais j'ai pas tout fini. De toute façon, je vais continuer à filmer, donc il restera forcément des choses. Je me suis fait un thé dans mon nouveau mug. Oui, parce que je n'en avais pas assez. Donc la dernière fois, j'ai passé une commande chez Palais d'été. Et j'ai pris un mug. En fait, j'avais une...
réduction pour mon anniversaire. Donc j'ai pris un mug. Donc j'ai pris celui-ci. Parce que c'était fleurs de cerisier, que j'aime beaucoup les fleurs de cerisier. Voilà. Bon bah écoutez, je vais aller tricoter un peu et avancer sur mon livre. En ce moment, je lis, je ne l'ai pas pris avec moi, je vais le laisser dans la salle. Je lis le tome 5 des 7 sœurs. Je suis en train de chercher le titre. Ça, et aujourd'hui, c'est vraiment pas ça. Hein. Je lis le tome 5 des 7 sœurs. Ça faisait un moment que je n'en avais pas lu. Alors, j'essaie d'en lire un par mois. Et en fait, là, ça devait bien faire 2-3 mois que je n'avais pas lu le tome. En même temps, c'est des pavés quand même. Hein. Là, celui-là, il fait presque 800 pages, je crois. Donc, j'avoue que, bon, il faut arriver à le caser. Ça me prend plus de temps à lire qu'un livre classique, forcément. Donc, voilà. Et j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Voilà. Bah, je vais aller continuer la chaussette avec mon thé et mon livre. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 15 août, qui est normalement un jour férié, mais qui ne le sera pas pour moi puisque j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Il est assez tôt le matin, mais il fait beau. Il fait beaucoup plus frais aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pu ressortir les petits hauts tricotés parce que clairement dernièrement c'était pas possible. Aujourd'hui j'ai mis Calisia. Donc c'est le tout dernier modèle qui est sorti, il est sorti début août pour mon anniversaire. Et c'est un t-shirt en yoke. Il a une construction un peu particulière du fait du point, en fait la dentelle a besoin de se tricoter du bas vers le haut. Et pour ne pas tricoter tout le t-shirt du bas vers le haut, on commence sous la dentelle, on tricote la partie haute. Et après on reprend les mailles et on tricote le reste du corps. Je l'ai tricoté en pur silk de Knitting for Olive, donc c'est de la bourrette de soie dans un coloris rose qui pète, et je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je l'ai pas beaucoup porté depuis que je l'ai tricoté. J'ai fini de le tricoter en printemps, et comme il fait vraiment très chaud, bah même s'il est agréable à porter, il tient chaud parce que ça tient trop chaud le tricot. Il fait 40 degrés, c'est pas possible. Donc je vais vous faire un petit point avant de clôturer cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas filmé hier parce qu'on était invité, donc bah, clairement c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai quand même un peu avancé sur mes tricots. J'ai terminé la première chaussette pour la mini. C'est marrant, le rose il paraît hyper flashy, alors qu'en vrai il est un peu moins quand même. Hein. Il est fluo, mais pas autant. Surtout que ce rose là et celui-là, c'est pas les mêmes. Celui-là est un peu plus clair. Mais il ressort hyper pétant. Bah, je vais éternuer, je vais mettre pause. J'avais le nez qui me démangeait. Donc, comme toujours, j'ai utilisé la recette pour tricoter des chaussettes. Elle est sur le blog. Je vous remettrai les liens dans l'article. L'article dédié à cette vidéo. Pour que vous puissiez les retrouver. Vous avez les liens vers la recette. Et les liens vers les vidéos que j'ai tournées. Donc j'ai commencé par la pointe, j'ai fait un talon en rang raccourci et j'ai fait que quelques répétitions pour la tige parce qu'elle aime bien avoir une tige assez courte, elle aime pas quand c'est trop haut. On a hésité à faire un petit cœur de plus, mais donc j'ai fini la première chaussette et j'ai commencé la seconde, mais alors j'ai pas commencé les cœurs encore. J'ai presque, je vous l'ai pas déjà dit ça. Si je radote, désolé. Et j'ai juste commencé. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, non? Bon, bref. J'ai commencé la vie. Il me semble que j'en ai déjà parlé de ça. Je sais plus ce que je dis. Comme ça fait quelques jours que j'ai pas vraiment tourné activement, je sais plus ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est la première chaussette. Et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça fait super sympa avec les petits cœurs. Bon, j'ai vu que j'avais fait un petit couac. J'ai oublié un rond.
Normalement, le cœur, vous voyez, il a deux rangs plus larges et là j'en ai fait qu'un. C'est comme ça. J'étais en train de lire, du coup j'étais pas concentrée. Tout le monde fait des erreurs. Donc ça, c'est pour les chaussettes de la mini. Ensuite, je vais monter un nouveau projet que je n'ai pas encore commencé, mais ça ne devrait pas tarder tant que ça. Parce que en fait j'étais en train de chercher. Qu'est-ce que je cherchais? Je sais plus ce que je cherchais. Enfin, je cherchais un truc dans mon stock. Et j'ai mis à côté des laines. Je vous en ai parlé de ça que j'allais bien. J'avais envie de refaire un pull pour utiliser les restes de laine. Parce que bah, j'en ai quand même pas mal de demi-échevaux. Et ça m'embête de les laisser dormir là. Et j'ai associé des couleurs. Et là, je me suis dit, oui. Donc, je vais sortir tout ça de mon sac. Donc, l'idée, ça va être de faire un pull. Oh là, tout s'est détricoté. Enfin, ça, c'est débiné. J'ai rien tricoté encore. C'est de faire un pull qui va avoir une forme assez simple pour être accessible aux débutants. Donc, peut-être un raglan, puisque la dernière fois que j'ai fait un pull de reste, c'était un drop shoulders, et je n'aurais pas refaire la même chose, donc probablement un raglan. Et avec plusieurs couleurs, du coup. Donc je ne vais pas pouvoir toutes les attraper en même temps, je pense, parce que sinon je vais faire une catastrophe. Quoique. Alors, si vous entendez des bruits, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre. Alors, je sais plus, j'avais pas dû mettre dans cet ordre-là. Mais, alors, vous voyez les couleurs sans voir les étiquettes. Bon, en fait, on verra pas tout. Voilà, comme ça. J'avais pas mis. J'ai fait une photo, mais elle est sur mon téléphone. Je sais pas. Je les ai pas mis dans cet ordre. Enfin, ils seront pas dans cet ordre-là. Mais voilà l'idée. Parce que le gris et le rose là, ça fait trop clair. J'avais dû inverser ces deux-là peut-être. Alors attendez, je vais essayer de me rappeler ce que j'avais fait. Donc j'avais fait ça, ça, ça. Je crois que j'avais fait dans cet ordre-là. J'essaie que vous voyez toutes les couleurs sans voir les étiquettes qui perturbent la couleur et que ce soit à peu près la même couleur, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, à la base, j'avais repéré ces quatre-là, mais j'ai peur de ne pas avoir assez parce que ce n'est pas des écheveaux complets. Celui-ci, c'est de la lace, le rose, là. Donc, il faudra que je tricote en double si je voulais tricoter avec. Parce que ce sera doublé avec du moire. Alors, je vous explique. Ça, c'est le reste de mon pull Kerseal. Donc, c'est de la Madeline Tosh Merino Light coloré glace pécan. Et le mohair que j'avais associé, c'est Maison Corlaine, la base Belle Époque, et c'est le coloris Gladys. Donc ça, c'est le reste de mon pull Kerseal. C'est le pull avec des perles cousues. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, non, j'avais repéré celle-là. Donc après, il y avait la Heidi Heidi. Et c'est le coloris. Comment il s'appelle? Indigo. C'est le reste de mon gilet. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. C'est un gilet bleu en. Bah, bleu. En côte anglaise. Je vous remettrai le nom dans l'article. Donc voilà. Ensuite. Ça, c'est de la teinture lurée, c'est le reste du kit. J'avais fait un bonnet et un col Malva. C'est le même point en fait que les chaussettes Malva. Donc teinture lurée. Et c'est red wine. J'ai pas l'accent. Donc ça c'est l'étiquette de la figurine, mais c'est le même coloris pour les deux. Voilà, et donc celle-ci, c'est le reste de mon pull Nérum. Donc c'est de la BFL.
je crois. Les autres, c'est du Mérinos. Celle-là, c'est du BFL. Donc, c'est du single, mais en fait, il était tricoté en double avec de la Suri. Et donc, la Suri, c'est un peu plus épais. Donc, en fait, single plus Suri, ça fait quand même du dégât. Je vais encore éternuer. Ah ben je sais pas ce qui m'arrive ce matin, j'arrête pas. Donc, par contre, les coloris, j'ai pas les noms. Parce que j'avais pas les étiquettes quand j'ai reçu la laine. Donc, voilà. Et je me suis dit quand même que ces quatre couleurs-là, c'était joli. Mais il manquait un truc. Donc, j'ai retrouvé des pelotes de Roma Yarn. C'est de la figurine. Alors, pour le coup, c'est plus rustique. C'est une laine à jacquard. C'est pas du mérinos. C'est de la laine, je crois. C'est marqué où? C'est pas écrit en français. Donc, 100% norsk wool. Donc, ça doit vouloir dire 100% en laine. Voilà. Donc, j'ai ça. Qui est gris, donc j'en ai deux pelotes et ça équivaut, je pense, à peu près à ce que j'ai, mais je pense que ces rayures là sont peut-être un peu plus fines. Faut que je vois, faut que je pèse. Pour l'instant, j'ai rien pesé. Et associé à un écheveau de LITLG, donc c'est Ace Lace, et j'ai pas de maître de couleur. Donc il est un peu plus gris clair, mais je pense que du coup ça va bien se mélanger. Voilà, donc ça j'en ai deux pelotes, la Suri j'en ai deux écheveaux, et tout le reste j'en ai un. Ça va pas tenir. Donc bon, voilà, je ne sais pas encore trop. J'ai oublié de prendre ça, hop. Je fais des cascades avec mes pelotes. Ah! Voilà, fallait que ça arrive, hein. Mais c'est tombé dans mon sac, donc ça tombe bien. Et tout ça, je l'ai mis dans mon. C'était mon premier prototype, je crois. Un de mes premiers prototypes de grande taille de sac à projet. Les nomades. Donc voilà. J'ai bien hâte de faire l'échantillon pour tout ça. Je vais voir peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Mais il va falloir que je couse cet après-midi. Alors ce matin, je vais m'occuper de faire le final montage. D'écrire l'article de cette vidéo. Et cet après-midi, je vais coudre. Il va y avoir un changement pour la mise à jour des accessoires. À la base, j'avais prévu de faire ça mi-septembre. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard parce que pour l'instant, rien n'est sûr à 100%. Mais il est fort probable que je fasse un salon en Normandie. Fin septembre, et parce qu'on m'a contacté ce week-end en fait, et du coup bah, ça remet en cause la mise à jour, puisque je vais pas faire une mise à jour mi-septembre pour ne plus avoir de stock pour un salon fin septembre. Donc je vous en reparlerai quand ce sera vraiment fait. J'en reparlerai aussi dans les coulisses de toute façon. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais il est fort probable que j'y aille. Et du coup, bah, je pourrais pas faire la mise à jour. Donc la mise à jour, ce sera plutôt début octobre, à mon retour du salon. Voilà. Mais bon, je vous en reparle peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, je sais pas. Je vais voir. La prochaine vidéo, quoi, je vous en reparlerai. Soit dans le podcast ou début septembre, on verra. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais pas des masses de choses à vous montrer, donc j'espère que c'était quand même intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme toujours, ça me fait plaisir de voir vos petits mots et de vous répondre. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être pour le podcast, du coup, le mois prochain. Ah, quoique. Je sais pas, peut-être le podcast la semaine prochaine. Je verrai comment j'ai le temps de m'organiser. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là. Encore merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, soirée ou quoi que ce soit. Et je vous dis à bientôt!